Bonjour mes amis. Cette semaine, j'ajoute des vœux pour notre AQDR en 2021. D'abord, que nous travaillons toutes et tous au respect de la mission première, la défense et la promotion des droits collectifs des aînés et des autres. Deux, que nous soyons toujours plus une force collective avec plus de membres militants, plus de sections actives, plus de présence en faveur des droits et pour de bons choix de société. Trois, que le CA national soit ce qu'il est déjà, uni, combatif, travaillant, réfléchi, présent sur tous les fronts et dans les partenariats. Quatre, que nos comités de travail soient actifs et productifs pour la santé, pour le revenu et la fiscalité, pour le transport collectif, pour la diversité culturelle, etc. Et nous consacrerons quelques émissions à l'action de ces comités. 5. Que l'unité soit entre nous toujours plus solide et efficace. 2020 aura été l'année du retour à l'action collective, l'année de l'arrivée d'une nouvelle équipe au National, bien décidée à travailler à une vraie restauration de notre mouvement. 2021 sera une année de consolidation des premiers acquis, de renforcement des formations et des interventions au plan social et politique, mais aussi une année d'innovation, d'ouverture et, souhaitons-le, de gains dans nos droits et ceux des autres groupes d'âge. Bonne année donc à chacune et à chacun, et rendez-vous à chaque semaine pour une écoute attentive, et merci de partager cette capsule avec tous vos voisins et amis. Au revoir et à la semaine prochaine. L'AQDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez-là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez-là. Si vous voulez rien manquer, cliquez-là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez-là.